Une partie de l'énergie produite lors de fusion nucléaire dans les étoiles est émise sous forme de rayonnement lumineux. Mais pourquoi certaines étoiles apparaissent-elles avec des couleurs différentes? Et pourquoi certaines paraissent-elles émettre plus de lumière que d'autres? Les étoiles sont modélisées comme des corps noirs, des objets idéaux qui absorbent tous les rayonnements qu'ils reçoivent et qui émettent un rayonnement dépendant de la température à leur surface. Leur spectre suit la loi de Wien et la puissance rayonnée suit la loi de Stefan Boltzmann. Le profil spectral d'une étoile, qui représente la puissance émise pour chaque longueur d'onde du spectre, atteint un maximum pour une longueur d'onde que nous appellerons lambda max. Ce lambda max dépend de la température de surface de l'étoile. On peut le retrouver grâce à la loi de Wien, qui dit que ce lambda max est inversement proportionnel à la température de surface de l'étoile. Lambda max égale 2,89 fois 10 puissance moins 3 divisé par t. Lambda max sera exprimé en mètres, alors que la température de surface de l'étoile sera exprimée en Kelvin. Il est nécessaire de savoir passer des températures en degrés Celsius aux températures en Kelvin. En effet, en prenant la température en degrés Celsius, il suffit d'y ajouter 273,15 degrés pour avoir la température en Kelvin. Mais alors pourquoi certaines étoiles paraissent plutôt orangées, voire rouges, alors que certaines étoiles paraissent plutôt bleutées? Plus une température de surface sera grande, plus le lambda max sera faible. En effet, lambda max est inversement proportionnel à t. Et plus lambda max est faible, plus il se rapproche des longueurs d'onde de courte distance, c'est-à-dire les longueurs d'onde proches du bleu. Il manquera donc les couleurs rouges au spectre total. L'étoile paraîtra bleue. De façon contraire, si une étoile est plutôt froide, moins élevée que la température du Soleil, son lambda max sera donc plus grand. Il manquera donc les rayonnements de courte distance. Et donc, pauvre en couleur bleu-violet et riche en couleur rouge, l'étoile paraîtra rouge ou orange. Nous allons essayer de retrouver la température de surface du Soleil à partir de son profil spectral. Le profil spectral du Soleil admet un maximum pour la longueur d'onde égale 500 nanomètres. Si lambda max est égal à 2,89 fois 10 moins 3 divisé par t, t sera donc égal à 2,89 fois 10 moins 3 divisé par lambda max. Si nous faisons l'application numérique avec les 500 nanomètres de lambda max, nous obtenons 2,89 fois 10 puissance moins 3 divisé par 500. Attention, la longueur d'onde doit être exprimée en mètres. 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. En faisant l'application numérique, nous trouvons 5780 Kelvin, puisque la température sera donnée en Kelvin. Si nous voulons la température en degrés Celsius, il suffira de prendre la température en Kelvin et de soustraire 273 pour obtenir une température d'environ 5500 degrés Celsius. C'est grâce à cette méthode que nous avons pu estimer la température de surface du Soleil. En comparant la température de surface aux deux étoiles rouge et bleu que nous avons vues précédemment, nous pouvons voir que nous avons une température intermédiaire, ce qui veut dire que le Soleil est une étoile ni chaude ni froide, on va dire qu'elle a une température moyenne pour une étoile. Elle a donc une proportion à peu près égale de chaque couleur du spectre de la lumière blanche, elle apparaîtra donc blanc-jaune. Certaines étoiles paraissent aussi plus lumineuses que d'autres. Nous pouvons calculer la puissance d'une étoile grâce à la loi de Stefan Boltzmann. En effet, la puissance de l'étoile est proportionnelle à la température de l'étoile à la puissance 4. La puissance de l'étoile sera égale à la surface de l'étoile fois sigma, qui est une constante, multipliée par t puissance 4. La surface de l'étoile peut être calculée en faisant 4 pi fois le rayon de l'étoile au carré. La constante de Stefan vaut 5,67 fois 10 puissance moins 8 watts, mètre moins 2, Kelvin moins 4. Et la température doit être exprimée en Kelvin. Nous allons essayer de retrouver la puissance émise par le Soleil. En appliquant la loi de Stefan Boltzmann à notre Soleil, nous pouvons dire que la surface du Soleil est égale à 4 pi fois le rayon du Soleil au carré, multiplié par la constante de Boltzmann, multiplié par t à la puissance 4. Nous obtenons 4 pi fois 696 440 km. Attention, donc il faut multiplier par 10 puissance 3 pour le mettre en mètres, le tout au carré.
multiplié par la constante de Boltzmann, 5,67 fois 10 puissance moins 8, multiplié par la température de surface du Soleil, 5772 puissance 4. En faisant l'application numérique, nous obtenons 3,83 fois 10 puissance 26 watts. Nous retrouvons le même résultat que celui calculé dans la première vidéo avec la formule d'Einstein. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.